Salut à tous, c'est Protoxic, bienvenue sur la chaîne Zombie Survival Horror. On se retrouve sur State of Decay 2 pour l'épisode 11. Donc vous avez été une bonne partie à apprécier. Quand je dis une bonne partie, c'est carrément 99,9% parce que sur 1000 vues, j'ai un mec qui m'a fait un commentaire négatif et ensuite vous êtes tous à faire des commentaires positifs. Donc on va continuer en roleplay. Merci pour vos commentaires du genre t'assures, c'est cool, j'adore ta façon de jouer RP. C'est une très bonne idée de jouer à State of Decay RP parce que les jeux post-apocalyptiques, ça s'y prête bien. Continue ton roleplay, on adore, c'est cool, ça change des autres let's play. Donc voilà, je vais continuer en roleplay puisque vous êtes tous sauf un connard qui me fait un message négatif du genre je sais pas jouer RP, j'ai qu'à retourner jouer au Barbie, je bousille l'âme du jeu à jouer RP. Donc à part un connard comme ça, vous êtes tous à fond sur mon roleplay. Donc on va continuer. Aujourd'hui, je vais incarner Sloane et on va improviser. Allez, c'est parti. Bon, j'ai envie de me détruire les cœurs de peste parce que là, ça commence à craindre un petit peu dans la ville. J'aimerais bien voir si y a pas quelqu'un qui peut venir avec moi. En attendant, qu'est-ce qu'il y a à faire aujourd'hui? Parce qu'on a des sacrés trucs dans le coin qui traînent. Il y a un survivant en détresse pas très loin du camp. Il y a un problème d'infestation aussi dans le coin. Ouais, ben on pourrait commencer par. J'irais bien détruire un cœur de peste. Mais vu qu'il y a un survivant dans le coin en danger, je vais aller voir ce que c'est. Je vais voir qui c'est qui pourrait m'aider. Alors qui c'est qui est dispo à la base aujourd'hui? Il y a Ziket qui dort, Serge qui reprend ses blessures. Je pourrais peut-être y aller avec Becca ou avec Raph sinon. Raph est dispo. Je vais demander à ce qu'il vienne. Il est où Raph? Je vais venir avec mon copain. Raph? Becca qui est au centre de commande. Fermez-moi cette porte là, courant d'air. Alors, où il pourrait être? Ah, il est pas là? Ah, je crois qu'il est là. Il est en train de surveiller avec Sir. Je vais aller voir ce qu'ils font. Hé, hey, Raph! Tu peux venir avec moi? Il y a un survivant dans le coin qui a besoin d'aide, on a entendu un message radio. Tu viens avec moi? Ok, allez, on est parti. Tiens, on va passer par là. Hop là, on a un véhicule. Allez, viens, je t'attends. Donc apparemment, on a reçu un message radio, ça viendrait d'ici. Donc, on en a reçu un autre ici, là. Pas très loin. Ouais. On va aller voir celui qui est à côté. Allez, c'est parti. Oula. Merde, je me suis coincé sur une pierre. Ah, oh, c'est pas possible. C'est de jouer des suspensions. Ah, c'est bon. C'est cool. Bon, il va faire nuit, j'aime pas trop ça. Alors apparemment, ça se trouverait dans le coin. Hop là, on va y aller. On va y aller. Oula, c'est pas facile d'y aller. J'aurais pu y aller à pied, c'était tout aussi mieux. Est-ce que je peux passer par ici? Ouais. On va aller là. Je pense que le mec doit être ici. On va se faire les 2-3 zombies qui sont dans le coin. De toute façon, ils vont venir nous casser les couilles alors. Allez, voilà. Tiens, on peut peut-être trouver des munitions dans cette boîte. Bon, bah c'est cool que tu sois venu avec moi, Raph, parce que j'ai besoin de quelqu'un pour couvrir mes arrières. Oula. Ah bah non, elle tranche bien cette épée. Allez, attends, je suis. Pousse-toi. Dégage. Voilà. T'entends quelque chose là? T'as sorti le marteau? Apparemment, il y a un zombie dans le coin. Viens, viens, vite. Hop là. Oula, attention. Il y a quelqu'un? Fermez la porte. Attends, je
voudrais fermer la porte, s'il vous plaît. La porte, pas le frigo. Alors, voyons voir. Salut. Ellie, tu t'appelles? J'ai dû quitter précisément mon ancienne planque, le garage rose, et j'ai oublié de prendre mon pied de biche au chef de brigade. Je te donnerai quelque chose si tu m'aides à récupérer. Bah, y a pas de souci. On va juste récupérer 2-3 affaires. Prendre 2-3 trucs dans les placards avant de partir. Alors, des pièces, ok. Hop. T'as pas tout fouillé la baraque, il reste des trucs? Intéressant, non? Alors, qu'est-ce qu'on peut chercher? Il n'y a rien ici. Fermez les portes. Hein. Vous le dire en quelle langue? Alors, attends. Tiens, il y a quelque chose ici, là. Ah, c'est cool. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que je vais trouver là-dedans? Ah! Des munitions de 22. Oh, génial. Tiens, dans le frigo. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Un vieux pot de cornichon, un fond de ketchup, un fond de mayo, du citron et... Oh! Un petit peu d'alcool et une bouteille de Red Bull. Ah, oh, cool. Tiens, il y a un sac de sport là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Du linge sale, une casquette, un bonnet et... Un petit peu de matériaux. Ok, bon, c'est cool. Bon, bah, je pense qu'on a tout pris. Il y a plein de médicaments dans la salle de bain. C'est tout vide. Ok. Bon, bah, on va sortir. Alors, c'est où ton truc, tu dis? C'est dans ton ancien garage? Alors, attends. Qu'est-ce qu'il m'a dit, mec? Ah, ouais, c'est pas très loin, quoi. C'est à côté. Ah, on a de la compagnie. We've got company. Hop là. C'est bon, vous gérez? Il y en a encore un ici. Voilà. Bon, allez. C'est pas très loin d'ici. Genre, j'ai horreur de sortir de nuit. Oh mon Dieu. Tiens, il y a une vieille caravane. Mes parents ont la même caravane. Ah! Attention, il y a des rôdeurs dans le coin. C'est bon? Je pense qu'ils sont à l'intérieur du truc. Ouais. Il y en a moins. Attention, attendez, attendez, attendez. Voilà. Ouh là là, il y a du monde. Il y a du people. Oh putain. Ah, ça craint, hein. Voilà, encore un dernier. Tu l'as fini? C'est bon. Ouais, faut que je passe mon arme en... Voilà, c'est bon. Je vais recharger mon fusil. Voilà. J'ai fait l'erreur de tirer en mode automatique. Je tire au coup par coup. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Tu penses que ton pied de biche est dans le coin, Ellie? On va chercher un petit peu. Ah, des matériaux, c'est cool, on va ramener ça à la base. Qu'est-ce qu'on a ici? Attends, je vois rien. Petite boîte, attends, pousse-toi. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien du tout. Bon. Qu'est-ce qu'on pourrait chercher? Tiens, vous avez fouillé dans le placard là? Ah, je vois quelque chose qui dépasse. C'est bon, je l'ai. J'ai trouvé ton pied de biche. Ah ouais, cool, hein. Tiens, je te le passe. Tiens, prends ton pied de biche. Ok. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu faisais comme boulot avant? Rien de spécial? Des petits boulots comme ça, ouais. Ok. Ça t'était pas mal débrouillard, hein. Ce que je vois. Ok. Bah écoute, si on a besoin de toi, on pourra te recruter dans notre base. Pour l'instant, on est assez nombreux, donc on verra ça une autre fois. Tu viens, Raph?
Ah non, je vais pas le prendre avec nous parce que viens. Il y a pas de spécialité. Je vais par contre, je vais lui dire de plus tard. Je regrette pour l'instant, on n'a pas de place comme je te dis, donc je peux pas t'accepter dans notre communauté. Voilà. Peut-être une autre fois. Voilà. Oula putain, il y a une horde dans le coin. Ouais, viens Raph. Alors, je t'explique. On va pas le prendre le mec avec nous parce qu'en fait il a pas de spécialité. C'était pas un ancien charpentier. C'était pas un ancien militaire. Il est débrouillard, tout ça, mais bon. Voilà, il a pas de connaissances. Il pourrait pas de connaissances en médecine, en chimie. Voilà, c'est pour ça, on va pas le prendre avec nous. Une bouche de plus à nourrir en plus. Voilà, faut qu'on ait tous une spécialité. Alors, voyons voir. Oh, un petit peu de nourriture, ok. Bon, alors notre bagnole elle était de l'autre côté du truc. On va s'en occuper tout de suite. Voilà, récupérer la voiture, poser ça dedans. J'en profite pour poser le reste parce que ça va pas me servir tout de suite. Voilà, calibre 45. Voilà. Ouh, il y a un truc dans le coin là. Ouais. Ouais, on n'a pas de grenade, on va se casser. On va se casser. Allez. On va pas prendre de risques. Gâcher des munitions pour un gros connard comme ça. Alors, voyons voir ce qu'on pourrait faire. Apparemment. Pilier de comptoir. Pas très loin d'ici, de l'autre côté de la vallée. On peut peut-être aller voir les survivants. Je sais que c'est de nuit, c'est pas mon fort. On va y aller. Plus on est deux, donc ça va. Ouh, attention, une horde. Allez, j'espère que la nuit va bien se passer. Donc normalement, si je continue sur cette route, ça sera en bas, ok. Donc ouais, il y a un groupe de militaires. Shanna, elle aurait besoin d'aide pour tuer des infestations près de sa base. On va s'en occuper. Bon, dommage qu'il n'y ait pas de radio dans la bagnole. Ou de lecteur CD parce que. On va écouter un petit peu de musique sur le trajet. Oula, hop là. Hop. Putain, il y a vraiment des. Des enfoirés là, regarde-moi ça. Alors, est-ce qu'on s'approche? Je pense que j'ai loupé la route, non, même pas. C'est un petit peu plus loin. Ouais, c'est par ici. Alors, attends, il y a plusieurs accès ou quoi? Parce que là, franchement, de nuit, passer dans la forêt, je crois que je ferai pas ça. On va devoir prendre la route. Putain, par contre, faudra faire le plein d'essence, ça va être chaud. Trouver une station-service. Ah, c'est vraiment angoissant hein, de rouler de nuit comme ça. On se rapproche un petit peu. Je sais que c'est par là, mais je peux pas passer dans la montagne. Allez, on prend pas de risque, on s'arrête pas. Bien joué. Prendre la route en bas à gauche. Par contre, voilà, si on voit une station, on s'arrête. Hein. Parce que je pense qu'on n'a pas assez d'essence pour rentrer. Voilà, ça monte là, ça monte raide. Hein. Oh putain. Attends, on va faire un petit peu le point sur la carte là. Toc toc. Voilà. Attention, zombie. Voilà. Oh là là. Ah non, c'est loin ce truc là. Tomber en panne d'essence avant d'arriver. Hein.
Voilà, on arrive à Santa Maya. Alors normalement, si je prends à gauche. Il y a un groupe de survivants là. Je vais aller voir. Je pense qu'ils sont juste ici. Attends, on va déjà tuer les zombies s'il y en a dans le coin pour être tranquille. Ouais. Voilà. On va voir si on peut pas faire un peu de troc avec eux. Ouh putain, déjà suis cela. Celle-là, je me la fais. Petit coup de poignard. Voilà. Bon. Allez. Où c'est que c'est? Tiens, on pourrait fouiller à côté. Ah bah c'est cool. Bonjour, bonjour. Alors. C'est bien vous qui soyez là. On va récupérer des trucs à l'alambic. Ok. Alors. Je voudrais faire un petit peu de commerce. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à vendre? Alors, qu'est-ce qu'ils ont à vendre? Ils ont des matériaux, ils ont des cocktails Molotov, sac à dos, un petit peu de médoc. On pourrait prendre des matériaux, mais le souci c'est qu'on n'est pas très riche niveau influence. Qu'est-ce que je pourrais leur troquer? Je pourrais leur troquer aussi un petit peu des pots d'éthanol, mais on en aura besoin pour fabriquer des bombes incendiaires, tout ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait leur troquer d'autre? Je pense que c'est bon, hein. À part les matériaux, c'est vrai que c'est rare en ce moment, tant qu'à faire. Mais je vais avoir besoin d'influence pour d'autres trucs. Alors sinon, je vais leur demander un petit peu ce qu'ils faisaient avant. Alors Ducan, toi, ta spécialité, c'est quoi? Combat, mixologie. Ah ouais? Mixologie, c'est DJ. Ensuite, Iver. Iver, qu'est-ce qu'elle faisait elle? Mécanique, hein, une mécano, ok. Bon, on a déjà une mécano à la base. Et Bats, qu'est-ce qu'il faisait lui? Alors lui, Bats, il veut qu'on fasse son truc là. On va pas s'occuper de ça tout de suite. Oula, j'ai une porte arrachée, c'est quoi ce bordel? Et non. Hop là. Ouais, donc on va continuer. Je vais aller voir les militaires là-bas. Oh putain. Oh merde, ça tire. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, attendez. Je vais me le faire. Ouf, voyons. Quelle histoire. On pourrait fouiller le bâtiment pendant qu'on est à côté. Même si c'est pas une urgence. Il y a les infestations à s'occuper. Alors, ok, il y a un générateur. Fouiller encore un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop, un petit peu de chips. Tiens, il y a un coffre là. Alors, voyons voir ce que je vais trouver. Ah, ouh, c'est pas mal ça. Des bijoux. Pour les troquer, je crois qu'on a tout pris. Ouais, on va faire ça, on va troquer un petit peu. Tu sais quoi, on va se séparer un petit peu d'éthanol parce qu'on a besoin d'influence. Alors voyons voir ce qu'on pourrait faire. Je vais vendre ça. Le reste, on garde. Boisson énergétique, je vais la revendre aussi. On va essayer de troquer le plus possible de trucs. Ouais, ça aussi. Alors, des trucs à vendre. Si ça vous intéresse. Alors, j'ai ça. Attendez. Si je m'en sors. Voilà. Donc, paire de boucles d'oreilles en perles. Voilà. Ensuite, un générateur portable. Je peux vendre aussi de l'éthanol. Voilà. Une petite boisson énergétique. Et puis un sac de chips. Voilà. Bon bah c'est cool, comme ça on a gagné un petit peu d'influence. Il faut qu'on économise l'influence pour prendre la décision avec tout le groupe de changer de base plus tard. Alors. Bon, par contre nous on est dans la merde parce qu'il faut qu'on trouve de l'essence, hein, Raph. Je signale qu'il faut encore qu'on rentre après, hein. Alors qu'est-ce qu'il y a ici?
Oh tiens, des débris d'armes et une mine. Cool. On va aller voir les militaires. Mais par contre, je pense qu'on va être à court d'essence. Finira à pied, hein. Pire. Hein. On trouvera une station-service, hein. Pas grave. Alors. Ouh là là là. Je crois qu'on est arrivé. On va. Tiens, bah, il y a un véhicule ici. Si elle plaint, on pourrait peut-être repartir avec l'autre véhicule. Ouh putain, attention, il y a du monde. On se les fait. Voilà, ça c'est fait. Oh putain. T'as vu là, il y a un boursouflé. Allez, dégage la zone. Voilà, ça c'est fait. J'en profite pour voir le véhicule là, si elle plaint. C'est bon, ouais. Il y a le plein. Il y avait un petit peu de médoc dans le coffre. Ben écoute, tu vois, il y a ce véhicule là. Il y a suffisamment d'essence pour rentrer. On pourra l'utiliser pour le retour. Par contre, je suis en train de me dire d'un truc, ouais, c'est que. On va aller voir là-haut. Alors, tu sais ce qu'on va faire? On va monter avec le 4x4. Voilà. Si on vraiment on est en panne d'essence, on ira à pied. Ouh, mais qu'est-ce qu'ils ont là? Ils ont un super truc. Salut les militaires. Rachel. Enchanté. Rachel, médecin. Médecin militaire, c'est cool. Ok, ensuite. Voyons voir, voyons voir. Ah, faut que j'aille parler à Shanna, elle doit être là-bas. Bonjour, bonjour, Shanna. Ah, ça va très bien. Une infestation, on peut s'en charger, on est venu pour ça. On est venu là pour ça, juste au passage. Alors, Shanna, elle est très dégourdie. Ok. On va en profiter pour récupérer des affaires, hein, qui servent pas. Alors, des pièces, ok. Bah, dis donc, c'est immense cet endroit. Il y a même un étage. Ah non, c'est condamné, dommage. C'est bloqué. Ouais, ça ferait une super base ici. Voyons voir là, il y avait un petit truc médical. Là aussi, il y avait une salle d'examen. On va prendre des trucs qui pourraient être utiles justement. Pour tuer les infestations. Ah, qu'est-ce que c'est ça? C'est cool. Presse à comprimer. Une presse à comprimer traditionnelle utilisée en pharmacie pour fabriquer les médicaments. Ah, c'est cool ça. On va prendre ça. Ok. Ah merde, bon il y a des zombies, ils vont bien s'en sortir. On va finir de fouiller le truc. Je pense que je pourrais pas tout récupérer. On n'a pas assez de place. Au pire, Raph, tu vas porter des trucs. Tiens, il y a encore un magazine de mécanique. De l'éthanol. Ouais, tu vas porter. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, l'éthanol. Bon, y'a rien. Putain, on y voit que chi, hein. Heureusement que j'ai une lampe torche. Tiens, pas quelque chose par ici. Je suis déjà venu. Hein. Les toilettes, ok. Putain, c'est grand leur base. Hein. Qu'est-ce qu'il y a eu là? Y a un zombie qui est mort. Bon, on va fouiller 2-3 trucs et après on y va. Tiens, cocktail Molotov, ça pourrait être utile. Du bandage aussi. Ouais, pendant qu'on y est, autant qu'on ramasse des affaires maintenant. Hop. Tiens, ça c'est pas mal ça. Un conteneur hermétique pour la bouffe. Ok.
Oh, c'est cool, j'ai trouvé un vaccin. Voyons voir ce qu'on a à la base. Alors, à la base, on a au niveau de la cuisine. On a un truc pour mettre de l'eau. Ok. Tiens, faudrait remplir la flotte. Remplir la flotte. Gérer les modifs. On n'a pas de modifs ici. Non. Attends, on va se faire les zombies parce qu'on peut pas être tranquille 2 secondes. Voilà. Bon, c'est pas mal votre clinique là, votre hôpital. C'était quoi? C'était un hôpital, une clinique? Un immeuble? Un hôtel, je sais pas. Bon, alors, on dirait que c'est une clinique. On a tout fouillé, il reste des trucs encore dans le coin. C'est dommage parce que là, je vois pas grand-chose. Putain, c'est pas possible, il y a encore des zombies. Bon, on va laisser les mecs tuer les zombies. Ah, des médocs. Ça, c'est cool. On en avait besoin, justement. Et dernier truc à fouiller. Encore des médicaments. Ok. Bon. Je vais prendre ça. Il reste de la place, Swan. Un sac à dos de médocs à prendre là. Juste là, voilà. Toc. Bon bah c'est bon, on est bien chargé. On va voir si on peut troquer 2-3 trucs. Oh putain, c'est pas possible, c'est zombié. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a dans le véhicule de spécial? Donc ce qui est dans le véhicule, on va y garder. Voilà. Le manuel de mécanique, on va le garder, c'est très important. Hop. Ça fera aussi des matériaux. Je vais prendre les balles, c'est pas très lourd. Poser ce truc là, presse comprimée. Ok. Balles de calibre 45. Voilà. Pareil, poser des trucs. Ouais, faut que je pose mon gros sac là. Ça commence à être lourd. Hop. Voilà. Ensuite, on a. Bon, le sortiment de compteur de conteneurs hermétiques, on pourrait peut-être leur revendre ainsi que l'éthanol. Putain, mais c'est pas possible! Mais ils viennent d'où ces zombies? Regarde-moi ça. Il y en a là. Putain, il y a une petite horde qui arrive là. Attention! Viens là! On va se les faire à plusieurs. Et donc, tu déchires, hein? Outa. C'est bon, il est mort. Allez, viens. On va faire un petit peu de troc avec les militaires pour se faire de la place. Ils sont où? Ils sont là. Voilà. Alors, j'ai des trucs à vendre. Pas toi. Vous pouvez pas faire de troc là? Putain, ils sont pas dispo pour faire du truc. C'est pas le moment apparemment. Ouais, on a une mission à faire avant. Bon ben on va y aller. Alors attends, ça se trouve où son truc? Ça se trouve dans le coin, en ville. Ah ouais, juste à côté de la base des autres. Bon bah ben, c'est cool, on va se la faire. Éradiquer l'infestation, ouais, c'est pas très loin d'ici. Bon, le véhicule, c'est vraiment en cas de coup dur, on sait qu'il y a un véhicule dans le coin. Je crois qu'on y est. C'est juste ici. Je vais éclairer avec les phares, ouais, c'est à l'intérieur de ce bâtiment. Ouais, ils sont pas mal, hein. Attends, j'ai un cocktail Molotov. On va essayer de les cramer. Ah, ça a pas marché. Putain. Ils sont beaucoup là. Allez, on va se battre. Là, ils sont nombreux là. Viens, remonte dans le véhicule, ça craint trop. Ça craint trop, ouais.
Voilà. On va se les faire en véhicule en fait. Voilà. Il y a d'autres. Oh là là, voyons. Voilà, ça c'est fait. Bon. Tiens, on va en profiter pour faire du troc avec les autres là. Ouais, je pense qu'ils sont dispo. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait leur vendre? On va leur revendre l'assortiment de conteneurs pour la bouffe, on s'en fiche. Ainsi que l'éthanol. Voilà. Ouh, on pourrait leur revendre un antivirus, ça vaut cher ça. Ouais, je pense qu'on va leur revendre. Ça pourrait faire pas mal d'influence. Puis en plus, on a personne qui est infecté, donc... Ouais, mais bon, je pense que je vais y garder, ça pourrait... Je pourrais le regretter peut-être plus tard. Ouais. Ce qu'il faut qu'on... Oh, allez, c'est bon, soyons fous. Puisque j'en ai un sur moi, si ça peut leur sauver la vie. Voilà, un flacon anti... antivirus. Voilà. Bon, on va retourner voir les militaires. Je sais pas si on peut y aller à pied, parce que là, niveau de l'essence, on commence à être en bonne rade. Ouais, faudra transvaser dans l'autre véhicule. Pas trop le choix, là. Ce véhicule est pas perdu, on pourra toujours le prendre une autre fois. On fera les échanges ici. Quand on repartira. Bon bah voilà, fin du roleplay, comment ils vont s'en sortir, comment ils vont rentrer à la base, vous le saurez dans le prochain épisode. J'espère que ce petit roleplay vous aura plu. Je vais m'occuper dans le prochain épisode de voir avec les militaires pour la suite des événements. C'est pas possible, il y a tout le temps des zombies ici. Et puis on va rentrer avec l'autre voiture, voilà. Je vous dis à la prochaine, salut à tous, c'était Protoxic.